yo parlions, qui c'est docteur François Saint-Vivillier. Mais docteur François Saint-Vivillier était présent dans la conférence et lui-même il prend la parole. Il m'a dit peuple haïtien, il m'a dit moun entre dans quatre coins pays pour que clairement yo dit que yo pas dans question conseil présidentiel, neuf membres que CARICOM a vinn bailan a vinn imposer et remettre choix ça que il a vinn bail peuple haïtien. Ça va arrêter là parce que gen moun k'ap di qui côté déclaration ancienne ambassadrice États-Unis Pamela Anoa elle en sorti puisque il clairement dit que avant-hier mais que sous table discussion yo Dwayne Guy Philippe Dwayne Guy on lecteur coup barbecue et Pamela Anoa allait plus loin pour dire que et Guy Philippe doit faire partie conseil présidentiel ça selon ça qui dit Guy Philippe lui fait connaître que effectivement que ambassadrice Pamela Anoa était l'île. T'es pas là avec dans le téléphone. Il t'es pas là avec. Et qui Philippe fait qu'on est que, gué ensemble de l'autre ambassadeur à travers et qui n'a pas d'Haïti, cap relèl, cap parle ensemble avec, cap discute ensemble avec. Et ensemble de ambassadeur ça yo, yo montre que gué bonne volonté pour être capable de corriger et rejoindre Guy Philippe. Nan bataille ça que lui-même l'a voulait mener et changement que l'a prôné pour nouvelle Haïti. Et ensemble ambassadeur ça yo, selon Guy Philippe, yo clairement dit que yo welcome you moun ki jodi an, qui capable porter contribution parle nan retirer Haïti dans sa li là. L'église catholique, encore parlé, pour dire que, l'Ipanan qui est au conseil qui a parlé là, l'église catholique, à travers CEH, non, Ipanan qui est au conseil qui a parlé là, l'église catholique, pour que, acteurs haïtiens continuent à discuter en même temps, pour garder comment qu'on est capable de jouer une solution, pour retirer pays dans sa là. Et l'église a fait qu'on est que, je pas voyé aucun monde à représenter l'église catholique dans que son conseil présidentiel qui a parlé là. Ça, c'est parole, l'église dans position claire sur ça qui a passé là. Désir Venesse, comment est guié? Parce que nous prenons le parti avec un invité pour nous encore questionner, analyser ça qui a passé en un pays. Comment est guié, Désir Venesse? Gros chapeau pour Blaise Peterson. Et jusqu'à présent, tant qu'on pile monde capable de remarquer, nous là, on a fait résistance, pas gain forme dans le pays d'Haïti, depuis où c'est haïtien, quel que soit côté où trouvé ou à travers le monde là, ou pas qu'à en forme. Soit stress, dépression, ou bien réflexion sur ce qui a passé dans le pays, il n'y a pas qu'à qu'un BO en forme, Blaise Peterson. Ensemble, si à terre, accord, Sekmasyo, ou bien SNK dit accord, proposition Sekmasyo, t'es chita. Je dis, pour question signature, t'es continué. Après, il y a ensemble des signatures, t'es filmé, t'es déclaration, t'es faite dans Nicolas Presse, que t'es Moïse Jean-Charles, qui annonçait que Remet Choual ça, il y a pas de bouel, non mais CARICOM, c'est pour CARICOM, ou est école, non ça que vous voulez faire, parce que Haïti, les grands mondes, les grands têtes, les solutions qui doivent venir, c'est Haïtien qui doit proposer l'explication, eh bien, en pile dans militaire, t'es prêt la rue. Je t'ai pris la rue, dans le mat 33, il y a boulé caoutchouc, il y a lancé un paquet à cause piment bouc à l'encontre CARICOM, à l'encontre communauté internationale là. Pour y dire, il y a besoin de fond calme, il y a besoin de fond posé dans ce qui a offert la République là. Parce que la République n'a pas mérité, ça y a bail là, Blaise Peterson. Pendant la journée, gros déblosage pété dans l'assemblement qui a gagné en tout, faut qu'on dise ça. Côté militant, t'as poussé militant, sans doute, il y a un côté qui n'a pas rejoint. Ça te cause en pile par en pile. Nous prenons le gain pour nous garder ça, pour qu'on nous connaisse. Qui ça te permet? Les un groupe chita en côté, yo gen même intérêt, kab la cause, yo nan bousculade, yo nan pal en pile, entre yo, Blaise Peterson. Situation qui gen en dedans pays à Blaise Peterson. L'hypote gros inquiétude. Bon côté, secteur privé. Yo pas suspend chita entre yo, pour y a discuter, qui ça ouvre l'abdoté comme alternative, qui pour empêcher que yo victime, même la victime malheureux, Acti Malérez, qui est très tôt, dans marché, en bas la ville, quoi les boussales, qui victime, soit bandit, mais des disfé là-dedans, les necs à exam, qui regroupent, on en vit ensemble. 10 fois ça, il y a plus de tête pour regarder en l'air, eh bien, nek qui dit, c'est bourgeois, qui dans le secteur privé, des personnes, ils ont vraiment inquiété. Nek qui ont graissé toutes les âmes qui ont gagné. Dans l'idée pour affronter bandit, cap vin, attaquer, parce que ils ont dit, ils n'ont pas prêté pour bandit vin touyer. Lucien Girard, monsieur qui était porte-parole, la présidence, sous Michel Joseph Matéli, il était continué poste jusqu'à Jovenel Moïse, kidnappé la Kaeli, Blaise Peterson. Jodi, il faut que je dise, personne n'a pas épargné dans le fléau, dans la catastrophe politique, instabilité, qui a frappé pour le pays d'Haïti pendant les ressortissants, pays les États-Unis, la France, Canada, République Dominicaine,
continuer à courir quitter pays d'Haïti pour y aller dans pays yo dans zone que senti que sécurité capable assurer suite avec ça cap là grand que haïtien cap vivant dans pays a yo toujours senti yo très vulnérable yo beaucoup de sénateurs et députés trancher sur situation haïtien cap vivre aux États-Unis yo dans ça qui gain pour avec question TPS. Eh bien, ils ont demandé pour renouveler parce que la situation moun dans le pays d'Haïti paraît triste et ils ont demandé avec l'administration Biden pour suspendre avec séance déportation. La situation, ensemble, point ça, sans doute pour l'affaire est essentiel pour l'émission pour matin. Songez, nous avons rendez-vous, nous ne pouvons pas rater pendant, invité à lui à souffrir, mais amis internautes, nous ne pouvons pas quitter parce que nous n'étions pas quitté déjà. Xavier, Marie Nosifor et Jenny Baptiste Kensalier tout gagnent Dalcé Jean Kensalier, gagnent Junior Pierre Kensalier, gagnent Gérard Last Kensalier, gagnent Nancy Lotue Kensalier, gagnent Jean-Élie Guerrier, gagnent Jean-Job Guerrier Kensalier, gagnent Jean-Lévi Gaillet Kensalier tout, gagnent Yolande Fénelon Kensalier, gagnent Wishley Kensalier, gagnent User User en pile, gagnent André Jean Kensalier, gagnent Mona Arslin et Kensalier, gagnent en même temps tout Augustast Germain Kensalier des Ivenes sans oublier qui Antoine Francio Kensalier des Ivenes et bon côté pour ambre quelques amis avant qu'une vienne avec invité. Bonjour, bonsoir pour Robert Nocil qui est toujours branché, Marie Isaraka qui est toujours branché tout. Nous disons merci, Dino Delcine, nous disons merci en pile parce que toujours branché, ça fait nous grand plaisir. Faire Dino Cadet, merci parce que toujours branché, parce que regardez l'émission et toujours quitter commentaire pour nous. Gain pour la Christ questionnant, qui toujours bien nous dit merci en pile. Gain Rosemont Sylvain, grand merci parce que vous faites choix. Suzette Wilson, merci parce que toujours bien nous toujours garder nous, ça fait nous grand plaisir. Rémi Saint-Fleur, merci. Imakila, la fleur, merci en pile parce que toujours garder nous, ça fait nous grand plaisir. Nous comptons en pile. Gain Patrice Larichieux, merci en pile parce que toujours garder nous, ça fait nous plaisir. Gain et Gerda Ville, merci en pile parce que toujours garder nous. Gain Paul et Fertile, qui toujours garder nous, nous dit merci en pile. Bien Marie Tanis, merci pour soi intelligent. Bien Blaise Charles, nous avons toujours gardé, toujours allé, quitter petit commentaire pour nous. Bien Molly Recollet, merci en pile parce que toujours gardé nous. Ça fait nous grand plaisir chaque fois que nous. Et fait que Dieu sous commentaire, nous, ouais, toujours gardé et quitter commentaire pour nous. Bien Milo Frère, Milo Frère de Frédéric, qui tout branché tout, nous disons merci en pile. Bien Docteur Francilo, qui tout gardé, qui tout quitter commentaire pour nous, nous disons grand merci. Ou même, qui peut-être pas attendre nous, dans liste pour nous, qui est à Bigopio, continuez à garder l'émission nous. Quittez nous pour nous, dans qui state, dans qui continent, dans qui pays qui est obtenu, nous avisations capables de jouer nous, et déjà, ou même qui à peine rêvé, sous ensemble des plateformes, ça y est. Pas oublier, like, commenter, et puis abonner, activer cloche, notification qui va permettre qu'on parle une émission qui est de l'explication. Invitez-nous dans l'émission matin, jeudi, c'est Jean Ewens, c'est politologue et juriste de formation, jeune politologue en même temps. En même temps, tout, qui s'est dirigeant parti grandir, et parti grandir, c'est, yon, alors, estructi grandir, lycée, yon, et estructi en dedans, révèle, équipe ami, ensemble de organisations et parti qui s'y est, déclaration 5 mars, là, qu'on connaît déjà, qui ont même, dans le conseil présidentiel 3 membres, là, c'est avec un politologue, Jean Ewens, qui nous a parlé là. Jean Ewens, comment est-ce qu'il est, frère? Et, m'a salué tout, internet sur Cap Côté nous un peu partout à travers le monde. Me saluer ou Peterson Blaise aussi bien que votre collègue Désir. Exactement. Oui, mais espérons nous passer un bon petit moment ensemble. Merci pour l'invitation déjà. Et j'aime dire où c'est une porte parole mais une membre partie grandir. Grandir ça veut dire et avant même pour ça me raconte qui est ce mal parler. Où c'est politologue de formation et juriste en même temps. Grandir ces groupes de réflexion et d'action de l'intelligentsia nationale pour le renforcement de la démocratie. OK. Et en nous garder ça, non. Oui, on t'a parlé.
pour le renforcement de la démocratie. En fait, pour me porter une petite précision sous nom, c'est Erwin Saint-Jean de préférence, hein, au lieu de Jean seulement. C'est Erwin Saint-Jean. Bon. Erwin Saint-Jean. Ok, me déblaye, mettez Saint-Jean devant. Ben, c'est Saint-Jean. Ok. Erwin Saint-Jean, on regarde ça comme, on dit, politologue et comme jeune acteur politique. Je dis en là, qui, pour première lecture, réaction fait de questions CARICOM avec conseil présidentiel, c'est Mme Kapalea. Ben, et en fait, pour nous être scientifiques dans l'approche noire, nous comprenons que nous faisons partie de CARICOM. Ça veut dire qu'on concourt de CARICOM et en mauvaise chose. Mais dans le contexte que nous vivons là actuellement, et ce concours de la CARICOM n'est pas tenu compte de la volonté populaire, de l'expression de la volonté générale. En fait, et si nous avons remarqué un peu partout dans le pays, nous sentis au fort pourcentage, pour ne pas mettre chiffres, pour ne pas mettre nombre sur pourcentage, genre, disons à un fort pourcentage, nous sentis peuplant les plus bons côtés et on certains Guy Philippe comme monde qui était capable de faire pays pour transition ça. Donc, c'est à partir de là, nous voyons que décision carré comme yo pas et fait corps yo pas matché avec ce que le peuple haïtien lui-même lui réclamait. Ah ben, en fait, on a rappelé que c'est le peuple qui a souffri. Ça la vive là, donc les gens de la CARICOM, nos amis de la CARICOM, et ils sont assez loin de situation à vivre là qui est assez frustrante, nous a dit qui est assez. C'est vraiment la désolation totale. Donc, je pense que nous avons obligé de tenir compte de sa peuple lui-même, du besoin dans le contexte ça. Et c'est là qu'on a montré vraiment que la communauté internationale, ouais, la région et des pays de la CARICOM a montré que. Yo plus ou moins sensible à ça que les peuples haïtiens donc et là donc à penser nous en dans nos communautés et de frères dans nos communautés d'amis. Mais et selon même est-ce que Jean garde CARICOM Jean que je dis hein l'a traité l'a géré de ces haïtiens est-ce que ou est-ce un dossier de frères et sœurs qu'a réglé là ou dis-moi est-ce que son dossier de imposition de gros points parce que c'est moins et m'a décidé ça me pour yo ou dis-moi est-ce que ça Jean CARICOM a réagi là jeudi hein c'est parce que je ne bourra je ne supporte je un ensemble d'acteurs politiques qui en Haïti qui la cause que je dis à CARICOM vient prendre comme un élément incontournable un élément que je dis hein, qui mettait au milieu de crise haïtienne. Et contrairement avec appui CARICOM supposé poter, nous est clairement que n'est pas tenu compte de besoin peuple là, n'est pas tenu compte de monde peuple là, fait confiance, n'est pas tenu compte de monde peuple là quoi qui a mené back pays qui a retiré l'insécurité généralisée qui vient là. Qui a retiré le kidnapping, qui a fait soulier dans le déplacement forcé, qui a fait dans le quartier et dans tout le pays, spécialement pour le prince et dans l'Ouest en général. Donc, le nous garder comportement carré comme nous pas senti véritablement qu'il tenu compte de tout ça. Le nous est tout côté, tout le monde a demandé un seul monde, c'est Guy Philippe tout côté, Rémy ou pas. Quand même, on pas qu'à nier un acteur comme ça. Donc, Guy Philippe est un acteur clé, ou pas qu'à nier dans un contexte pareil. C'est comme si, pas tenu compte de Guy Philippe ou bien écarter Guy Philippe dans la solution pour aller là, c'est continuer la crise dans son autre forme. Donc, est-ce que monde qui là, yo représente le peuple véritablement? En fait, on a respecté que c'est des acteurs quand même qui viennent. Qui ont échantillon de population qui est mais l'on fait comparaison entre tout acteur ça avec popularité de Guy Philippe quand même ouais c'est vraiment pas une comparaison parce que Guy Philippe c'est 80% au moins de la population qui dit ben non Guy Philippe et puis acteur qui là combien de monde représente la population actuellement par quoi il représente 20% de la population ensuite l'on regarde les manifestations populaires yo combien de monde ça a râlé déjà. Combien de monde ça a traîné dans une manifestation populaire, ensemble de manifestations, là, nous pas ça ou à terre. C'est vrai que les acteurs qui étaient soi-disant là, ensemble d'organisations qui étaient soi-disant là, qui étaient qu'on a parlé, etc., que ce soit, par exemple, si nous prenons Accor Montana, qui là depuis quelques jours, mais en termes concrets, est-ce que nous sentis population marcher dans les décisions, dans l'idée
dans perspective et groupe Montana et ça et pour être sincère non pas quoi elle mais Guy Philippe Rivet là tout dernièrement là et puis où elle fait le tour du pays c'est vraiment la grande foule qui traînait d'elle et jodi a encore où senti peuple en décidé pour lui mettez Guy Philippe dans tête paysan avec surtout et on l'autre leader charismatique qui fait quoi avec qui vient balle beaucoup plus qui vient balle décision Kevin Bay groupe ça a beaucoup plus de poids que le terrain déjà hein qui seulement renforcé c'est l'acteur incontournable et savoir Moïse Jean-Charles. Donc c'est deux grands acteurs, c'est deux leaders charismatiques qui ben disons-le franchement qui pas de même origine politique mais qui quand même senti la nécessité de se mettre ensemble parce qu'on dit ben c'est certainement une union pareille qui est capable de résoudre le problème de vivre là. Donc, ni les acteurs comme ça n'ont résolution de crise haïtienne, non, c'est comme si on résout un problème qui n'est pas en Haïti du tout. Donc là, franchement, je pensais que et l'autre acteur a deux préférences. Il dit mieux que rejoignent à la décision que à décision du 5 mars et qui vient là dans Guy Philippe et Maurice Jean-Charles avec le juge de la cour le juge du Ré Junior. Parce que ils ont fait ouverture, ils ont pas imposé rien eux-mêmes. Ils ont fait ouverture parce que non, en transition c'est consensus. Ils ont pas imposé quoi que ce soit. Talet. Saint-Jean-Evans. Pour répondre à vous, ça dit non, en transition c'est consensus lié, c'est pas imposition. Comment expliquer que c'est et consensus et pas imposition? Et comment t'as qu'à faire on analyse de comparaison entre ça qui est comme à parler là avec nous-mêmes dans arriver là. Réveil en fait ouverture largement large. Réveil, réveil slash petite dessaline parce que c'est au-delà. Exact. Il quitte ouverture largement large pour tout l'autre acteur qui a rejoint yo. Il n'a pas imposé rien. D'ailleurs, nous avons près de 200 partis politiques qui adhéraient avec le mouvement ça. Nous avons plusieurs milliers d'organisations politiques, d'organisations sociales qui également signé et position de grands acteurs ça haut. Savoir Réveil National et Petite Dessaline, et l'équité porte ouverte à tout l'autre acteur qui senti yo concerné par souffrance population, qui senti yo c'est haïtien en nom yo. L'équité porte à tout l'autre acteur, net que ce soit les acteurs qui, je vous dis, embrassent plutôt décision ou bien initiative carrée comme non, qui par une initiative haïtienne carrément. Donc, il laisse la porte ouverte à tout le monde, ça. Alors que pour la carrière comme lui-même, ouais, déjà, il écarte, c'est l'acteur. Bon, l'on écarte des acteurs qui reflétaient volonté générale, qui reflétaient volonté population, c'est comme si on écarte population haïtienne, non. Ou pas capable de tenir compte d'un acteur population rejoignée, soit de problème. Haïti, ou pas qu'à pas tenir compte de sa peuple lui-même vivre. Ou pas qu'à imposer peuple en bagaille. Peuple en pas bête. Peuple en capacité pour lui réfléchir. Peuple en comprendre politique, contrairement à ça, en pile, monde qui va penser. Peuple en pas bête. Donc, peuple en le choisir. C'est parce que le senti, c'est parce que le ouais, à partir de vie, mon à partir de sacrifice, monde, ça fait pour lui, à partir de charisme, à partir de sensibilité. Que moun montre les pour la population, donc la population dit ben là c'est mon choix, donc c'est un choix rationnel, donc nous va pas écarter ça. Donc ça c'est ma position. On avance les désirs. Très bien, Saint-Jean est jeune politologue et praticien du droit. Je dis ça n'a pas abordé là, je dis comme problème les des droits et le politique également parce que invitation n'est pas faite au hasard et à travers l'émission ça pour matin. Et ensemble des acteurs, yo voulaient rejeter Guy Philippe malgré déclaration ou proposition et ou pétition. C'est que mas, il y a un d'accord noir sur blanc, c'est Guy Philippe qui t'a dû représenter et dans transition comme président dans le conseil. Quand pas qu'être l'autre qui est donc regardé, t'es Guy Philippe, lui, t'es condamné vers les États-Unis et ça, lui peut-être empêché suite avec un crime transnational. J'ai essayé donc garder des questions. Ou même, comme homme de loi, qui sont comprennent, qui sont qu'a dit avec monde, qui sont des profanes, dans ça qui vient pour avec droit, sous question ça.
En fait, moi pas pas citer des textes, des références légales et précises actuellement là, mais n'a pas appris que y a pas mal de grands juristes qui parlent sur ça déjà, qui montraient personnellement que Guy Philippe n'a pas gagné aucun empêchement pour être candidat à la présidence ici en Haïti. Et déjà, il y a un exemple capable de prendre vaguement. C'est le fait que au retour de Monsieur Philippe en Haïti, il était retenu pendant quelques heures à la DCPJ. Il était fait, il était questionné, etc., etc. Et puis après plusieurs, etc., questionnements, tout ça, etc. Donc il relâche. Donc ça veut dire, c'est la justice haïtienne qui dit, ben il n'y a pas gagné pour retenir contre lui. Donc, si on va gagner un peu, d'ailleurs, nous pas oublier que il était fin sénateur. Il était sénateur. C'est l'ex-sénateur. Il était sénateur. Donc, le fait qu'il était sénateur, déjà, est-ce que c'est son sorte de complicité qui est gagné au niveau de justice haïtienne qui fait que il était passé comme monde qui doit casser justice propre? Bon, là, ça, c'est des questions dont nous sommes capables de faire. Mais tant que il n'est pas condamné par justice haïtienne et que DCPJ qui était lié à la Cali, c'est ne sauf sans problème, n'est pas retenu, donc, quelque part, c'est donner raison à Guy Philippe pour que les gars, les moyens, pour bien trop technique dans ce sens-là. Mais moi, il y a un grand juriste haïtien qui était abordé les questions. Ça, je crois que c'est un ancien ministre. Je me rappelle son nom. Mais il était clair sur ça. Il montrait noir sur blanc que il n'y a aucun empêchement pour Guy Philippe d'être candidat à la présidence ici, dans n'importe quelle élection. Très bien. Très bien. Qu'on y a regardé parti ingérence internationale là, sous parti politique là, comme jeune politologue qui pratiquement sur le terrain, comment ouais ensemble des choix qui a fait là aujourd'hui, hein, c'est les anciens sénateurs, anciens gouverneurs et anciens députés qui a présenté avec la CALCOM pour au moins venir faire partie conseil présidentiel, peut-être avec des observateurs. Li au profit de la République ou bien son bagage qui est déficitaire pour la République sur le plan budgétaire et politique? Bon, là, faut que nous disions pour qu'on ait un clair et en termes de fonctionnement, de structure, ça, et que CARICOM et il y a censé inventer parce que nous n'avons pas vu ça déjà ici. Et là, il faut que nous avons gagné une loi cadre, ou du moins, c'est un principe de fonctionnement et structure ça, qui a été fait. Nous n'avons pas gagné, nous pouvons faire lecture de l'I, bien que dans le monde qui parlait de Yomba, qui parle de budgétivore, on parlait de 7 présidents, donc ça veut dire énormément de dépenses, 7 présidents. C'est-à-dire, si chaque gagne a traité comme un président à part entière, donc ça veut dire, ouais, là, c'est beaucoup d'argent. Résidents et ensemble d'autres privilèges, là, ça peut coûter énormément à la République. Donc, par contre, comment ça fait? Parce que c'est des mondes, est-ce que chaque fois le grand cortège? Donc, c'est des bails qui ne sont pas définis du tout. Oui, c'est clair. Seulement, nous, mon nouveau fouet est une balle, je ne sais pas, et pour qui, comment, pourquoi. Donc, mais là, c'est ça qu'a fait. Bon, c'est peut-être parce que c'est le blanc qui demande, et puis, ben, tant que c'est le blanc, donc, on questionne pas trop, donc, on essaie de préférer de trouver sa petite place. Donc, voilà. Donc, là, il n'est pas clair du tout pour moi. Pour qu'il y ait autant de monde et dans le conseil présidentiel, etc. Là, ça ne va pas être clair. Très bien. Où c'est responsable, il y a une structure politique. Qu'est-ce qui s'y est, proposition sortie des crises, que 5 mars, selon vous, qui parti qui est plus bénéfique dans la planification, proposition ça, surtout dans la crise que le pays a, qu'on est là, qui permet que vous-même, comme leader, ou arriver si elle, ou arriver méthode à quoi clé? Allô, Saint-Gervain? Oui, allô. Oui, allô. Oui, décidément de que... Et vous, qu'est-ce que vous me désirez? Comme responsable des structures politiques, qui signe, qui baille signature dans la proposition sortie de crise ou bien pétition et déclaration 5 mars, qui ça que ouais, qui permet que vous intéressez à baille signature là-dedans et qui pral pratiquement refléter dans la réalité qui gagne avec le pays d'Haïti, je veux dire, pour des résolutions avec la crise qui est là. Et
Pour me dire bien, tout d'abord, nous sommes dans le réveil avant même que nous tenions qui peut aller signature ensemble de signatures à partir de 5 mentions. Nous déjà dans le réveil. Ça que nous sommes entrés dans le réveil, c'est à partir de ça nous sommes ouais. Non, non directeur général tant que Jean-Tel Joseph. Nous songeait lors de la construction du canal et comment et qui position DGAT prend. Ça quelque part qui a attiré l'attention. Nous songeait les agents de la BSAP et malgré l'exigence du gouvernement d'alors, bon, qui est encore là. Qui était voulait que Mouyo déplacé que ben et favoriser ensemble de bagarre et République dominicaine TPLE à partir toute pression qui t'a faite sur les agents de la BSAP etc. Mais tu étais donc ça t'es montré quelque part en forme de nationalisme et nous t'es capable de remarquer qu'il y a DGA et puis au niveau de tout le col hein, que le dégain sous commandement là. Et puis on comprend que c'est monsieur qui décide fait réveil national. On dit ben pourquoi pas parce que là nous ouais et nous plus ou moins rejoindre non que soit dans le nationalisme, dans le patriotisme, nous dit nous qu'a essayé faire route avec et nonobstant on a toujours gardé est-ce que et la Kimbe Lingni est-ce que le pape dérouté est-ce que c'est pas seulement pour faire mon et comment je pourrais dire est-ce que c'est pas jeter de la poudre aux yeux. Donc ça veut dire nous toujours en observation, nous toujours à questionner, mais jusque là nous ça va bon train et puis nous capable Kimbe et avec également et l'arrivée de Guy Philippe qui montrait toute volonté libre, toute et sensibilité de la population et puis nous ouais attachement population avec lui également ben on peut reprocher lui je ne sais pas et pour ses détracteurs quoi que ce soit mais l'attachement de la population à individuel et avec leader fait nous dit ben est-ce que c'est pas bien que nous étions connectés avec une structure pareille jusque là donc nous continuons à